Salut tout le monde sur cette nouvelle vidéo de TutoTout. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va apprendre à extracter des fichiers avec iSarc. Alors je vais vous mettre le lien dans la description du site où on peut l'installer. Alors je copie maintenant. Ensuite vous faites free download. Donc voilà, donc ça va commencer à s'installer. Donc une fois qu'il sera installé, vous faites ouvrir. Faites oui, sinon bah il quittera. Ensuite vous attendez quelques secondes. Donc là vous faites installer, next, install. Donc là vous faites installer jusqu'à temps qu'il s'installe. Vous pouvez installer où vous voulez. Ensuite, moi je vais quitter parce que j'ai déjà installé. Donc voilà, donc là on peut quitter maintenant. Hein. Je vais laisser. Donc je vais quitter. Ensuite, vous l'ouvrez. Moi, il est installé ici, donc vous allez avoir le fichier iSarc 2.0. Il s'appelle comme ça. Donc, vous l'ouvrez. Vous allez ici, sur ce petit. Ici, là. Vous allez là. Ensuite, vous cliquez deux fois. Donc, vous faites Open. Donc, je vais ouvrir. Je vais extraire un fichier qui aura. Tiens, on va extraire GTA. Donc vous l'ouvrez. Donc là, vous faites pas ça, sinon ça servira à rien. Vous faites extract. Vous faites oui, extract. Vous pouvez le déjà, donc j'avais déjà ouvert. Tiens, regarde, je vais le supprimer. Donc il doit être. C'est lui. Recommencer, recommencer. Ah bah c'est pas. Ah oui, il doit être là. Vous faites ça, donc là vous faites supprimer. Donc vous faites ce problème c'est facile, voilà, c'est bon. Donc vous réouvrez, donc vous ouvrez iSarc. Donc là je vais recommencer. Il est ici. Voilà, grâce à photo, vous faites ouvrir, vous faites extract. Voilà, donc moi je vais installer sans mettre les USB, donc ça l'a mis. Donc ça l'avait directement mis. Ensuite, dès que c'est extracté, ça fera un petit point vert. Qui va s'afficher ici. Donc voilà, donc il est extracté, vous quittez. Ensuite, vous allez le retrouver ici. Et il s'appelle Cancer Photo. Voilà, donc vous pouvez l'ouvrir. Donc là, vous préparez une tout install. Voilà, donc là il est en train de s'installer. Là, il prépare. L'installation, donc là, vous aurez plus qu'à faire next, install, install, install. Et puis voilà. Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout servi. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like sur cette vidéo. Allez, bye tout le monde.